Mon témoignage a été dicté, une ex de Stéphane Plaza qui l'avait défendu dit avoir menti à la justice. Une quatrième femme vient de s'ajouter à la liste des plaignantes de Stéphane Plaza. Il s'agit d'une ancienne collaboratrice du présentateur de M6, qui avait d'abord pris sa défense dans une attestation désignée à la justice. L'étau se resserre autour de Stéphane Plaza. Le 28 août prochain, l'animateur vedette du groupe M6 sera jugé pour violence conjugale, après les plaintes de deux ex-compagnes. Dans une longue enquête menée par Mediapart, toutes deux disaient avoir été victimes d'humiliations physiques et psychologiques de la part du présentateur de 54 ans. Depuis, de nouveaux témoignages se sont ajoutés à la liste. Quelques semaines avant l'audience au tribunal du meilleur ami de Karine Le Marchand, une troisième victime est en effet sortie du silence, ce qui a eu pour effet domino de délier la langue d'une autre femme. Cette dernière n'est pas étrangère au dossier puisque le 29 septembre 2023, soit 7 jours après la révélation des accusations à l'encontre de Stéphane Plaza. Elle avait d'abord produit une attestation destinée à la justice dans laquelle elle prenait la défense l'animateur de Maison à vendre. Dans cet écrit, la quadragénaire, surnommée Émilie pour préserver son anonymat, disait travailler depuis plusieurs années avec Stéphane Plaza et n'avoir jamais été témoin de violence quelconque, ni même de vulgarité. Elle évoquait alors un homme très respectueux, honnête et très agréable, et ajoutait le côtoyer également personnellement et avoir toujours été en confiance avec lui. Seulement voilà, le troisième témoignage à l'encontre du présentateur a fait l'effet d'un électrochoc à Émilie, qui a finalement changé de version au début du mois de juin. Une nouvelle femme témoigne contre Stéphane Plaza. Comme le rapporte Mediapart, Émilie, qui a collaboré avec Stéphane Plaza via la société Réservoir Prod qui produit ses émissions, lui a envoyé un message le 4 juin dernier. Je découvre ton vrai visage. Je vais demander l'annulation du témoignage que tu m'as demandé de faire pour ta défense. Je comprends mieux ton empressement pour mon témoignage. Je me joins à ces pauvres femmes. Je m'associe à leur cause pour ne plus que ça recommence, y a-t-elle écrit. Ce à quoi l'animateur a rétorqué, ton témoignage a jamais été donné. Je t'embrasse. Le 7 août dernier, Émilie a finalement mis ses menaces à exécution en adressant un courrier à Hélène Plumet, l'avocate de Stéphane Plaza. Comme vous le savez, il a sollicité de ma part un témoignage favorable à ses intérêts visant à le présenter sous un jour positif de manière à décrédibiliser les plaignantes dans un dossier de violence conjugale. Ce témoignage a été sollicité et dicté par M. Plaza et n'est pas conforme à la réalité. À ce jour, je n'entends pas à ce qu'il soit utilisé dans le cadre de sa défense, ayant été pour ma part témoin et objet de comportements violents, humiliants et dégradants de sa part, y a-t-elle écrit. La réponse de Stéphane Plaza à ce quatrième témoignage. De son côté, l'avocate de Stéphane Plaza affirme auprès de Mediapart qu'Émilie n'a jamais été manipulée et qu'elle était au contraire consentante au moment de la rédaction de cette attestation. Elle lui aurait par ailleurs manifesté son soutien à plusieurs reprises, notamment dans des SMS datés de mars 2024. Toujours selon l'avocate de l'animateur, il s'agirait d'une femme avec qui il a été en relation et qui aujourd'hui tenterait d'utiliser le procès à venir pour mettre en œuvre des procédés utilisant le chantage et l'extorsion de fonds aux fins d'obtenir des sommes indues de sa part. Stéphane Plaza aurait par ailleurs déposé contre cette femme des mains courantes et plaintes au cours des mois de juillet et août pour harcèlement,
vol, menaces de mort, cambriolage, chantage et tentative d'extorsion de fonds. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette